Hello les gens, c'est Gilned et on est parti pour un quatrième épisode de Kingdom Hearts. Ah là là. Je pense que là, le nouveau micro, ça doit s'entendre quoi, dans notre épisode. Et le son, c'est un régal. C'est Voxel qui m'a passé le casque. Enfin, tout comme le Game Capture, en fait, tout comme tout. C'est un peu genre le producteur de ce let's play. Bref, on est reparti. Yofi. On raconte que la Keyblade peut ouvrir toutes sortes de serrures. Et c'est la prochaine fois que tu trouveras un coffre ou une porte. Bah ouais, c'est ce que je veux faire à chaque fois, mais bon. Ah bah voilà. Oh, un élixir, ça c'est très bien. L'élixir permet de restaurer et les points de magie et les points de vie en même temps. Total, les 30 coeurs se trouveront. Tu ferais bien de te préparer. À préparer. De battre pour ta vie. Es-tu prêt? Pourquoi pas encore? Tiens, je vais voir pour... On peut aller là-bas? D'accord. Ouais, en fait, je peux rien faire. Bon, bah écoute, on y va. Ouais, je suis prêt. Ah ouais, dans la maison, comme ça. Sora, let's go. Pas ton temps avec ceux-là, trouve leur chef. Ouais, mais bon, quand même. En route. Ah, ouais, mais non, parce que attends. Souviens. Ouais. Et eux, ils donnent plus de points d'expérience. C'est plus résistant. Ça se comprend. Ça, cette attaque, je l'ai jamais vue avant. Je crois qu'elle est inédite à Final Mix. Hein. Elle est très pratique. Non, bah non, en fait, j'avais fait les coffres là-bas. Bon, eh bien, on va au deuxième quartier. Ouais, alors non. Là, j'ai pas envie de perdre mon temps avec. Oh! Non, je ne peux, parce que je ne peux pas atteindre ce coffre là pour le moment. Ah, je ne peux pas atteindre celui-là non plus. Ceux-là là-bas, je me souviens, il y en avait et j'aimerais bien les trouver. Les trouver, les ouvrir. Salut Léon. Le quartier est sûr, si tu as des problèmes, reviens ici. Oh, ça change de la dernière fois. Une carte postale. Ouais. Ouais, je m'en doutais un peu en même temps. Salut Iris. Je vais donc le mettre de la Keyblade, sois prudent. Bah, bah merci Iris. T'en as d'autres? Non, bon. Ça serait un peu abusé. Ah, là-bas. Il ne s'ouvre pas, il doit y avoir un tige de moi ou quoi? Ah oui, y a pas de serrure. Y'a rien du... Oh! Hé hey. Carte postale numéro 1. Pavillon. D'accord, il y a 10 cartes postales en tout. Ouais, le troisième quartier, c'est là où il y a le bazar. Bon bah... Bah on va y aller. Allez, on y va, on trace. On va essayer de faire ça vite.
Allez, toi, t'es mort. D'accord, je peux pas accéder au menu quand je suis en combat. Il y a un truc que j'aurais bien voulu voir. Ah, une petite potion. Ah oui, je l'ai pas précisé, mais les orbes vertes, en fait, redonnent de la vie. Qu'est-ce que je... Oui, Eta. Vous voyez, il y a votre feuille des personnages avec toutes les caractéristiques. Prochain niveau dans 65 points d'expérience. J'ai... Rapprocheur, voilà, 2 points de compétence. Ok. Si Yuffie m'a demandé de voir au troisième quartier, ça doit pas être pour rien. Gorge, are these the heartless guys? Let's go get them. Allez, vous êtes les gardes royaux là, vous êtes censés être puissants, non? Bon. Ouais, pour le coup, c'est une clé, on peut pas le louper. Oh. J'imagine que j'ai trouvé le bon endroit. Allez, c'est parti. Ah, c'est pas mal ça. Comme attaque. Déjà ? Oula, va falloir que je fasse attention à ma vie. Et maintenant, j'ai Donald et Dingo en coéquipier. Donald, c'est un peu le... magicien. Oula. Ah, la fameuse... Eh, hey, mais elle est beaucoup plus colorée que... Oula, j'ai l'impression que cette armure, oui, qui est un boss, est une version bien plus colorée que... dans le... l'original Kingdom Hearts 1. Ouais. Donald qui a utilisé une potion, j'imagine, sur... Sur Donald ? Enfin, Dingo qui a utilisé... Je sais plus ce que je sais. Oh là là. C'est Dingo ! Tiens, pareil l'attaque. Je sais pas quoi viser, là. Les jambes, le torse, les mains... On va viser d'abord les pieds. Ce que je faisais au début. Ah tiens, voilà, une jambe en moins. Deux jambes en moins. Maintenant, les gantelets. Oh, déjà ? Ils y sont allés. Ils ont fait du bon boulot, les autres. Il me semblait que je l'avais pas trop attaqué, ce gant. Ce gantelet. Allez, go, 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 go ! Oula, non, 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 non ! Plus que le plastron. Je pensais parer l'attaque, mais non. Allez, allez, allez. Ouais, c'est bon. Allez. Ouf, ça, c'est du cœur qui a été livré. Le corps de bravoure. Ça peut être sympa. Ça augmente pas les points de vie ou un truc comme ça. Je pense. So, you were looking for me? They too have been seeking the wielder of the Keyblade. Hey, why don't you come with us?
We can go to other worlds on our vessel. I wonder if I could find Riku and Kairi. Of course! Are you sure? Who knows? But we need him to come with us to help us find the kid. Sora, go with them. Especially if you want to find your friends. Yeah, I guess. But you can't come along looking like that. Understand? Ooh. No frowning. Oh, j'avais les clochards derrière, j'avais pas vu. J'ai jamais fait attention avant. Yeah, you gotta look funny, like us. Yes, but ones on happy faces. Happy? That's one funny face. Okay, why not? I'll go with you guys. Name's Goofy. I'm Sora. All for one, one for all. Ah, le début d'un trio bien connu. Enfin, pour ceux qui connaissent bien l'univers de Kingdom Hearts. That little squirt took down that Heartless. Who'd have thought it? Such is the power of the Keyblade. The child's strength is not his own. Why don't we turn him into a Heartless? That'll settle things quick enough. And the brat's friends are the king's lackeys. Swung on the eyes, they're all built rats by the look of them. You're no prize yourself. Shut up! Enough! The Keyblade has chosen him. Will it be he who conquers the darkness? Or will the darkness swallow him? Either way, he could be quite useful. Le grand conseil des méchants. Bon, je pense que vous les avez tous reconnus, ou au moins les trois quarts d'entre eux. Si vous avez été élevé au Disney. Oh, sympa. C'est plus que ce que j'ai déjà récolté. Super, on me donne que des trucs. Ah, brasier. Notre premier sort de magie. Ah, les sorts ressemblent énormément à... Génial. Les sorts ressemblent énormément à... Oh, roulade. Ah oui, très utile la roulade. J'avais pas fait gaffe, oui. Ça, je m'en sers souvent. Donc je disais, les sorts de Kingdom Hearts ressemblent énormément à ceux de Final Fantasy. Vous verrez bien. Regarde cette marque Sora. Oui, et du coup, oui, je les ai vus depuis le temps, mais... Seuls les bleus peuvent être déclenchés. Pour cela, il faut que Sora et Donald soient près de la... qui utilise comme trio. Alors je me souviens plus du tout de ce que ça fait, on va essayer. D'accord. Bah c'est bien. Ah, une des cartes postales.
Alors on va régler un truc d'abord. Ah, le carnet de Jiminy. Ouais, donc ça c'est le résumé. Personnage. Évidemment, le roi, on connaît pas encore son identité. Mais bon. Je pense que vous êtes tous doutés de qui c'est. Sans cœur. Ah oui, donc les ombres, on les avait vues, les soldats. Et le boss, c'était... Ah non, Darkseid, c'était... Là, le... vous vous souvenez de lui. Et on avait affronté, là, l'armure gardienne. Qui est bien plus colorée dans la version Final Mix. Marque trio. Marque trio de saut, c'est les marques bleues. Très bien. Et hop, 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 j'ai pas fini. Équiper le corps de bravoure. Augmente un peu les HP et l'attaque, très bien. Donc on a aussi accès du coup aux feuilles de personnages de Donald et de Dingo. Et ce goût. Oula, alors ça c'est plus compliqué, on verra là après. Les compétences. Dingo. Dingo fusée permet d'effectuer une puissante attaque ascendante sur la cible, bouclier en œuvre. Très bien. Activé. Et moi j'active la roulade. On peut toujours pas l'ouvrir ce coffre là ? Non. Ah oui, donc quand j'appuie sur L1, c'est vrai, c'est les raccourcis. Donc là j'ai le raccourci pour le sort brasier. Bout de mitrille. Là-bas c'était... Non, c'était une marque rouge. Les marques, on les fera au fur et à mesure ou plus tard. Par contre, ça... Fire ! Ça fait rien ? Je t'ai persuadé que si. Bon. Hop, petit coffre. Encore un ingrédient. Lucide. Les objets ont disparu du magasin, je n'arrête pas d'entendre des bruits bizarres. Qu'est-ce que je peux bien acheter? Augmente un peu les PC max. C'est sympa ça. Non, je garde mon argent, je verrai plus tard. Ça m'intrigue quand même, normalement il me semblait que ça déclenchait un truc de souvenir, le brasier. Que vous ayez l'argent et roi, ça c'est bien vrai. Bon bah tant pis. Eh ben allez, on va aller au vaisseau Gumi. Plus rien à me dire, vous? C'est parti, allons explorer les autres mondes. Oh, tac. Le curseur indique le monde où nous nous trouvons. Déplace-le pour choisir une nouvelle destination. Et fais bien attention à son niveau de combat. Plus un monde a d'étoiles, plus les 100 cœurs ils sont forts. Je vous propose de le faire dans l'ordre. D'abord la première étoile. Puis après ce monde-là, on fera l'autre, la seconde. Et voici le vaisseau Gumi. Nous pouvons voyager d'un monde à l'autre grâce à notre vaisseau. Mais ceux des 100 cœurs essayent de nous barrer la route. Il nous faut bien manœuvrer pour éviter leurs attaques et les obstacles. Bien.
gère comment? Ah oui d'accord, avec... avec quoi? D'accord, j'étais pas du tout dans l'axe. Ah oui, là on ramasse des blocs gummy parce qu'après on pourra changer notre vaisseau. Alors ne comptez pas sur moi pour vous réexpliquer le code des, de ce qu'on ramasse, je m'en souviens plus du tout, mais alors absolument plus. C'est sympa moi je trouve comme phase de jeu pour aller d'un vaisseau à l'autre. Ah il me semble que les blocs qui ressemblent après un peu sphériques avec des circuits imprimés, il me semble que c'est des nouveaux plans de vaisseau. Parce qu'on va pouvoir customiser notre vaisseau pour le changer et en avoir d'autres. Donc augmenter avec aussi l'attaque, la défense, etc. etc. Arrivé à destination. Le pays des merveilles. Ça vous dit quelque chose? Pas la tête à la fac pour ce genre de truc. Ah, le bouton de porte. Eh bien les gens, pour ce nouveau monde, je vous propose de le découvrir plutôt dans l'épisode suivant. Et oui, je raccourcis un peu comparé aux autres épisodes, mais je trouve que j'avais un mauvais timing pour les précédents épisodes et je les trouve trop longs. Je les trouve beaucoup trop longs au niveau du format, donc 20-25 minutes, ça sera bien plus adapté, ça sera plus agréable quand même à visionner aussi, il faut pas pousser. Pousser? Ouais, excuse-moi, on verra donc plus tard, désolé Jean. Enfin bon, si l'aventure vous plaît, au fait je m'excuse encore pour la qualité du micro des précédents épisodes, je pense que là on va nettement voir la différence. Enfin bon, donc si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, vous aurez ainsi des nouvelles quant aux épisodes suivants qui sortiront, et vous pouvez laisser un pouce vert ou un commentaire si vous avez des conseils à me donner pour m'améliorer. S'il vous plaît, pas de spoil, pas pour moi je connais l'histoire, mais pas de spoil ne serait-ce que pour les autres viewers qui ne connaîtraient pas l'histoire et voudraient la découvrir soit eux-mêmes en jeu, soit en regardant le let's play. Enfin bon, il y en a qui aiment être spoilés, mais il y a une bonne majorité qui n'aime pas l'être, donc bon, par respect. Bon bah je vous dis à la prochaine alors. Allez, ciao les gens.